Bonjour à toi, cher internaute. Eh bien, j'espère que vous allez bien. Me revoili, me revoilou, après un petit mois de silence à peu près, hein, je pense. Bon, j'ai fait des petits shorts par-ci par-là, mais voilà. J'étais en vacances et je peux vous dire que ça fait du bien de se reposer, de se déconnecter. Ça fait du bien. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le. Vous verrez, les bénéfices en sont très bons. Vous allez voir qu'après, vous allez revenir en pleine forme et surtout bien reposé. Voilà. Bon, pour ce qui est de l'actualité. Alors, nous allons faire un petit peu le tour de l'énergie, des énergies qui vont nous être proposées durant ce mois de septembre. Et ça commence déjà pas mal, n'est-ce pas? Allez, on va regarder un petit peu. Hop là, oh ben, déjà. Déjà, il y en a une qui est déjà partie, qui est venue se poser là. Ok. On va la mettre ici. Allez, oh là 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 là. Eh bien, ça veut parler, ça veut parler, ça veut parler. Hop là, j'ai dévié ma caméra. Ah ben voilà, du grand n'importe quoi, comme d'habitude. C'est pas possible. Attends, il faut que je regarde un petit peu. Hop, du coup, c'est décalé. Hop, on revient ici. Voilà. Bon, ok. Allez, on y va. On y va. C'est parti. Allez, montrez-moi, s'il vous plaît, ce que vous avez à nous dire. Dites-nous. Allez, s'il vous plaît, une autre. Allez, encore. J'en veux encore au moins deux, si possible, voire plus, si affinité. Il y a toujours des affinités qui se créent quand même. Hein? Hop là, oh là. Hop, hop, hop. Ok, donc, est-ce qu'on regarde avec ça ou on continue? On me dit de continuer. D'accord, donc, hop là, d'accord, oh là, oh là. Hop, 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 hop. Ok, allez. Ça veut parler, hein, les amis, là. C'est chaud, ça veut parler. Ok, alors, qu'est-ce que nous avons? La NASA. Ah, tiens, ah. Oui. Ah là là, oh là là, ok. Bon. Alors, c'est la rentrée avec les petits, là. C'est la rentrée des enfants. Ils sont ici. C'est la rentrée des enfants. Donc pour l'instant, tout va bien. Il rentre à l'école. Bon. Ok. Donc, nous avons quoi d'autre? Qu'est-ce que nous avons d'autre? Je vais essayer de me connecter pour qu'on puisse me donner les informations exactes que je dois révéler. Et surtout, en fonction des cartes qui sont déposées sur la table. Je vous remercie. Je vous remercie, mes petits êtres de lumière. Alors, je vois un grand. Alors, c'est fouillis. Voilà. Ce que j'ai, c'est que c'est fouillis parce qu'il y a toutes. Il y a plein d'informations qui arrivent en même temps. Du coup, c'est le bazar. C'est comme si on nous déversait un panier. Alors, voilà l'image que l'on me donne. On me déverse un panier d'informations sur un tapis. Et maintenant, c'est à nous de faire le tri, de savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Beaucoup de choses sont fausses. Beaucoup de choses sont erronées. Les enfants, on nous demande de faire attention aux enfants. Et la carte qui me relie avec les enfants, c'est celle-ci. Je suis désolée. Mais c'est celle-ci qui me relie avec les enfants. Donc attention à tout ce que c'est en rapport avec ce qu'ils veulent leur faire apprendre à l'école. Ok, ensuite, qu'est-ce que nous avons avec la conquête spatiale, soi-disant? Ah, c'est voir la Terre sous un autre angle. Voir, bien sûr, évidemment, là, nous voyons la Terre. Nous voyons la Terre de loin. Je ne sais pas si vous voyez bien la. Nous voyons la Terre de loin. La Terre est visée par. Allez-y, dites-moi plus. Bon, là, on me parle les tremblements, les séismes, les catastrophes qui se passent à l'heure actuelle, les montées d'eau.
Tout ce que vous avez pu voir, c'est déjà fait. Alors, l'image que l'on me montre là, c'est comme si on prenait la terre entre ses mains, ici, on l'attrape et on la secoue. Voilà pourquoi il se passe tout ça. La terre est ébranlée, la terre est secouée, pour faire réagir les personnes qui y vivent dessus. C'est un choix qui vient d'ici. Ok. Si vous comprenez ce que ça veut dire, je pense que HAARP y est pour quelque chose dans ce qu'il se passe avec la terre qui est secouée. Est-ce que je dois parler d'autre chose? Les vérités vont être révélées par les personnes de l'armée. Les vérités, les révélations, c'est l'armée qui va nous mettre au courant de tout ça. Est-ce que je peux dire autre chose? Est-ce que je peux dire autre chose? L'information est diffusée par les réseaux sociaux, par Internet. À vous de faire le tri entre ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Là, on vous demande vraiment de faire votre choix. Là, c'est vraiment ce carrefour, c'est le choix. Vous avez le choix de vous laisser diriger, emmener, manipuler par la peur, ou vous avez le choix de vous libérer de vos chaînes et de vous sortir de cet engrenage qui vous amènera vers le fond. La médecine va également évoluer vers d'autres choses. Il y a des recherches, qui sont faites et la médecine va évoluer. Il y a des grands changements de médecine. Ça ne sera peut-être pas que la médecine traditionnelle. Il y a des grands changements qui arrivent. Ok, est-ce que j'ai besoin de recouvrir ces cartes? Est-ce que j'ai besoin de recouvrir les cartes? Et j'ai toujours cet art. Ah ben oui, bon, mais d'accord. Ben l'art, c'est toujours, voilà, c'est toujours la même chose. Là, ça nous parle des personnes qui sont manipulées, manipulables, et les personnes qui sont au-dessus, sur le tapis. Vous voyez? On fait la différence entre les deux. Donc c'est le choix d'être manipulé ou d'être au-dessus et de vous élever. Vous avez le choix. Vous êtes vraiment au carrefour. Et il n'y a que deux possibilités. Il n'y en a pas 10 000, hein, il y en a deux. On ne peut plus faire l'autruche. Hein. L'autruche, ça c'est fini, ça n'existe plus. Est-ce que j'ai une autre carte? Oui, j'en ai une autre. Il y a l'Asie aussi qui... L'Asie avec le riz. On parle de riz, Asie, riz. En même temps, ça rime. Le riz, mais le riz, l'aliment, hein, pas le rire. Hop. Théorie du complot, bien évidemment. Oups là. Bon, mais tous les pays, tous les territoires, toutes les nations sont touchées. Tous les humains sur cette planète sont touchés. Il n'y a pas de pays qui reste seul. Je vous parle en même temps, je suis en train de canaliser, donc c'est un peu compliqué pour pouvoir avoir les images, parler en même temps de complètement autre chose, mais en même temps j'ai les images qui défilent. Donc est-ce que avec les pays, voilà, c'est vraiment l'union de tous les peuples. Là, ce qui me montre, c'est vraiment tous les peuples sur Terre qui se donnent la main et qui forment un grand cercle autour de la planète pour vraiment s'unifier, s'unir pour sauver cette planète. Il faut vraiment s'unir pour sauver cette planète. Hop là. Ok. On va voir si j'ai un petit message. Donc voilà les amis. Je suis désolée, j'ai l'impression que ce tirage, il est complètement chamboulé. Je ne sais pas, je n'ai pas l'impression que ce soit bien net. Mais pourtant, on me dit que les informations sont données. Donc, c'est à vous de faire le choix, à vous de faire le tri avec ce que je viens de vous donner là.
Parce qu'apparemment, ça va résonner quand même pour certains. Donc, ben écoutez, moi, je suis juste là pour vous diffuser ces informations. Donc, je vous les donne telles qu'on me les a données. Donc, je les retranscris, je dirais même. Donc, voilà, faites votre choix. Faites méditer, peut-être, ou je ne sais pas. Voilà, chacun va trouver ce qu'il a besoin dans ce que je viens de dire. Je vais juste faire une dernière carte avec Nasrin Reza. Ces cartes-là sont très difficiles à manier. Mais on va voir ce que ça va nous... le résumé que ça va nous faire. Hein. Juste pour avoir le résumé. Voilà. Ah. Nasrin, merci de me donner le message dont nous avons besoin. Ah, j'ai du mal. Voilà, retour de vacances. Hein. C'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Ok, allez, on y va. Ah ben c'est parti. Nasrin, tu peux me donner un message, s'il te plaît? Eh ben, je vais la chercher, du coup. Bon, ok. Bon, le résumé va être très, très simple. Hein. Tout est une question d'attention. Si celle-ci est focalisée sur votre espace intérieur, alors le tumulte du monde extérieur passe à l'arrière-plan. Ce n'est que le résumé de tout ce que l'on vient de dire. Comme d'habitude, ça tombe pile poil là où il faut, comme il faut. Hein. Donc écoutez les amis, on se ressaisit. On se serre les coudes parce que là, nous allons en avoir besoin, vraiment besoin. Oui, vraiment, vraiment besoin. C'est vraiment ce carrefour. Nous sommes au carrefour et nous avons deux possibilités. Soit nous faisons l'autruche et nous restons coincés dans nos peurs, soit nous nous élevons. Mais on n'a pas d'autre alternative que ces deux choix. Voilà, là, c'est clair, net et précis. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite, à très bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous, bye bye.